Voilà, ici, c'est un pied de bringelier. Autrefois, on nettoyait le jacques pour enlever plus facile la colle par-dessus. Voilà, je vous montre comment c'est. Je vais cueillir quelques feuilles pour nettoyer. Voilà le fruit du jacques quand c'est mûr. Donc avec les graines, on peut les faire bouillir et faire un rougail avec. Voilà le jacques une fois coupé, les feuilles de bringélier qu'on utilise pour nettoyer la colle dessus, comme ça. On coupe le jacques. Voilà, avec ces graines de jacques là, on va mettre dans la casserole pour faire bouillir, les manger. Voilà, je place les graines de jacques à faire bouillir. Alors, je regarde si ça bouille depuis le temps qu'il est au feu. Donc, c'est normal parce que c'est jacques dur. Donc, ce sont des graines, donc c'est assez dur quand même. On passe la filet dedans. Voilà. Une fois que c'est bien bouilli, donc les grains, ça devient tendre. On peut même manger, croquer. Avec ça, hein, quand même un peu de sel dessus. Tel que c'est comme ça. Donc, je vais pas tarder à enlever. Voilà les graines de jacques une fois bouillies. On les enlève de la marmite. C'est chaud, je vanne un peu, comme ça c'est plus facile pour tirer la coque dessus. Voilà, quand c'est bien bouilli, donc
Le grain, donc il y a encore une coque dessus qu'il faut enlever, comme ça. Voilà, il faut tout enlever, cette partie, cette pellicule qui est dure. Voilà. Donc c'est comme une protection. Voilà, ça c'est, il faut enlever tout ça. Et là, la graine est tendre. Donc là, je peux piquer la fourchette dedans. Voilà. Voilà. C'est tendre. Et après, bon, on écrase ça. Voilà, je vais préparer tout ça. Alors voilà comment c'est une fois enlevé la pellicule dure dessus, le grain de jacques. Voilà. Et voilà la pellicule dure ici. Voilà. Ce sont les déchets. Et ici, c'est à préparer. Alors on peut utiliser soit en les écrasant comme ça. Voilà. Hop. Ça a glissé. Là, ça a glissé, je vais recommencer. Voilà. Bien appuyer dessus. Voilà. Alors voilà, donc mes épices, alors, du piment, de l'oignon. Et là, donc ça, rougail, grain de jacques, queue de grain de jacques. Alors, ça, on peut préparer comme ça. Alors voilà comment c'est une fois passé au pilon. Voilà, je vais mettre mes épices dedans. Piment, oignon, sel. Voilà, je mets un peu de l'huile d'olive en raison. Je vais mettre 2 cuillères. Et je tourne bien. Voilà, j'ai bien assaisonné le tout. Ça manque pas de sel ni d'huile, rien du tout. Donc il y a un bon goût. Délicieux. Donc voilà, donc c'est prêt pour ce soir. Voilà, le rougail queue de grain de jacques. Alors avec ces morceaux-là, on peut manger tel que c'est, avec un peu de sel, un petit peu de sel trempé à côté et manger. Voilà. C'est très bon aussi comme ça. Voilà, j'ai dit rougail queue de grain de jacques parce que j'ai fait la forme d'un cœur avec les morceaux écrasés dedans. Et voilà le vrai rougail, ça a un bon goût.
Oui.